Et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce qui me semblait l'épisode 12 de cette série Les Lumières d'Alexandrie. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, ça fait tellement longtemps que j'ai rien fait, ça fait tellement longtemps que cette série a eu son dernier épisode, l'épisode 11, où on avait enfin réussi à terminer le phare d'Alexandrie. Et sur cette mission, nous étions toujours à Alexandrie, me semble. C'est ça. Et le grand phare est là, ancienne capitale d'Égypte. Ok, maintenant on est là, et il nous faut plein de prestige. Et du coup, pour choper plein de prestige, il va sûrement falloir qu'on construise, eh bien, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Qu'est-ce que c'est que ça? Des hippopotames, d'accord. Bon, et eh ben, on va commencer tout de suite en plaçant le palais. Alors, où est-ce que je vais m'installer? Il y a des trucs. Alors là, il y a une carrière. Ok, bon, on peut s'installer un peu où on veut. Ok. C'est vrai quoi, on va s'installer. Tous ces petits villages sont un peu relous. Les plaines inondables. Par là. Bon, bah, on va s'installer là. Voilà. C'est parti. En vitesse max, évidemment, parce que sinon, c'est un peu long. Et il va falloir qu'on mette. Alors, déjà, que je me rappelle comment qu'on joue. Ouais, ok. On va juste attendre qu'il ait fini le palais, quoi. Alors, normalement, avec mon nouveau PC, ça devrait pas ramer. Mais vu l'optimisation du jeu, on est franchement à l'abri de rien. Regardez-moi ces ombres qui se décalent, comment c'est mal fait. Regardez-moi cette vitesse de zoom, comment c'est dégueulasse. Hein, voilà, donc on est à l'abri de rien, ça se trouve ça va être atroce. Zoomons sur le petit ouvrier là qui est en train de... Oh, ça va, il a l'air fluide. Lui, il est fluide en tout cas. Alors, on va de suite faire une route. Voilà, parce qu'il va falloir mettre des fermiers. Alors, ferme max 6, très bien. On va commencer. On va leur mettre du... Ouais, on va leur mettre de la route pavée. On va mettre de la route pavée à tout le monde, c'est le luxe. Hein, voilà. Alors, je sais, hein, je le fais à chaque mission, etc. Je sais que ça ne sert à rien ce que je fais avec les routes, là. Je sais. Mais juste j'aime bien. C'est ma vieille habitude de city builder, de Sierra, Zeus, Empereur, tout ça. Voilà. C'est l'habitude. Très bien. Alors lui, vous, il va vous falloir. Ah bah, bien sûr, il va falloir des. On va faire des nobles. Tiens, tu sais quoi? Donne-moi la route. Non mais c'est bien parce que la route, ça permet d'organiser votre cité. Ça permet, voilà, de faire un quadrillage, de bien délimiter où vous mettez les choses, etc. Hop, donc on va mettre un noble ici. On va mettre deux nobles, tiens. Voilà. Deux nobles ici. Et bien sûr, il va falloir à tout ce beau monde des marchands de biens courants. Oh, merde. C'est rien, j'ai fait tomber quelque chose. Alors, des marchands de biens courants. Je sais plus combien on peut en mettre déjà. Alors, 4, c'est ça. Les marchands de biens courants, c'est 4. 1, 2. 4, voilà. Évidemment, mettre un de chaque. Voilà. Et pareil pour les braves fermiers là-bas, ils vont en avoir besoin. Je peux pas ici. Bon, bah, on va mettre là. 1, 2, 3, 4, voilà. De toute façon, c'est le quartier pauvre, ça sera organisé à la vache de fou. À la vache de fou, une expression que vous n'avez sûrement jamais entendue nulle part et qui veut dire n'importe comment. Voilà. Allez, une fois que les nobles seront là, on pourra faire plus de fermes. Et puis il va leur falloir également des marchands de biens de luxe. Alors. 15 villas luxueuses, 200 de prestige et commerce avec tout le monde. Alors, la carte, qui convoque et qui passe?
Gay, okay. Site de Basel, blablabla. Donc, Rome, Athènes, Thrace, Antioche, il nous faut quoi? Déjà, on va afficher les noms, c'est bien. Athènes, Rome, Babylone, Carthage. Ok, les poids lourds, quoi. On a encore un peu de bouffe pour l'instant. Pour l'instant, voilà, on va laisser le truc évoluer. Pourquoi il y a... Qu'est-ce qui se passe? Cette maison sera bientôt occupée. Bah oui, bah maniez-vous! Venez l'occuper, nom de Dieu! Et dis donc la souris, là, tu... Paramètres. Bon, écoutez. Pour l'instant, ça a l'air de pas ramer. Pas trop de choses à l'écran. Qu'est-ce que tu fais? Ok, vous avez mis des fermes. Parfait. Ferme max 14. Ok, donc 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Non, on va faire des routes. Des routes parce que c'est le luxe maintenant, voilà. Le luxe pour tout le monde, des routes pavées pour tout le monde. On n'a plus beaucoup de fermiers, dis donc. Ok, c'est la saison des récoltes. C'est la saison des récoltes et tous les fermiers ont, enfin, se sont barrés pour devenir des vendeurs d'échoppes. Bien, bien, super les mecs. Bon, faut qu'on amasse un peu de bouffe avant de faire quoi que ce soit. Ouais, 2 minutes, ça arrive. Ça arrive, les. Ils arrivent, les biens de luxe et les biens courants. Ça fait combien de temps que j'ai commencé? Ah putain, ça commence bien, dis donc. Ah, c'est bon, j'ai un timer. Ok, donc là, il y a plein de bouffe. Je pense qu'on va pouvoir commencer à faire boulangerie et fabricant de briques. Alors déjà une boulangerie et après voilà, des fabricants. On va en faire un pour l'instant. Voilà, fabricant de briques. Parce que les fabricants de briques, normalement, il leur faut une résidence gouvernementale, c'est ça. Tout ce beau monde doit avoir accès à une boulangerie. Tu vois la vitesse normale? C'est genre méga lent quoi. Allez, plus vite tout le monde. C'est bon, ça produit là? Rien, rien. Rien, rien. Oh bah maniez-vous le cul. Vous êtes parti bosser? Qu'est-ce que tu fais toi? Rentre à la maison. J'espère que t'as travaillé, hein. C'est bon, il a été chercher de l'argile. Nickel. Ah mais oui, il faut des maçons, il faut des maçons évidemment pour fabriquer les boulangeries. Un petit maçon, fais-nous deux maçons dans le coin, voilà. Vais là, la civilisation reprend. Aucun problème. L'esprit du pharaon a rejoint Osiris. À 13 ans, ah bah putain.
Tu visites ton royaume. C'est maintenant à 13 ans. Et t'as quel âge, toi? Non, je veux pas le renommer. Je veux savoir quel âge j'ai. Ah non, d'accord, je suis mort et maintenant j'ai 13 ans. Le pharaon actuel a 13 ans. Ok! Les maçons. Bon, tu vas chercher les briques? Nickel. On va qu'on vire ce machin de la route là. Grande bibliothèque. Ça va demander beaucoup de choses. Ça va demander énormément de choses, tout ça. Oh, il y a des nobles qui sont pas, qui sont point contents. Qu'y a-t-il, les nobles? Bien courant, bah ouais. Mais vendez des choses, bordel. Qu'est-ce que tu fais? Vous bossez un peu là ou? Ou merde? Ça bosse pas beaucoup. On va leur mettre les boutiques de luxe aussi. Alors, les marchands de luxe, il en faut 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bijoux, parfums, sandales, sculptures, meubles. Ne faites pas attention à ce que disent les autres filles. Être maigre n'est pas si attirant. Être maigre n'est pas si attirant que ça, exactement. Bien dit, ma vieille. Très bien, voilà. Et tout le quartier noble se construira. Oula, qu'est-ce que je fais? Autour de ces petites boutiques. Petite revanche de la classe populaire. Hein, on construit le quartier riche autour d'eux parce que c'est eux qui alimentent les nobles en ce qu'ils ont le plus envie. Il semblerait des biens de luxe. Hein. Ça va venir, vos biens de luxe. 2 secondes. Putain, ça y est, on m'était déjà à gueuler pour rien. Il y a un boulanger qui arrive, s'il vous plaît. Alors bon, là on fera le quartier noble. Par là et un peu peut-être par là, on essaiera de faire tout ce qui est populaire un peu. Et où est-ce qu'on va mettre la bibliothèque? Déjà, vérifions de quoi on va avoir besoin. Briques, ça c'est bon. Calcaire pur. C'est du granit. Ok. On a autre chose. Granit. Ok, donc le calcaire va falloir l'importer. Je sens que la construction du monument va encore être une belle partie de plaisir. Calcaire, enfin, or, calcaire, émeraude, cuivre, cèdre. Ok, donc le granit ne servira à rien pour la grande bibliothèque. Par contre, évidemment, on pourra l'utiliser pour. Une obélisque en stèle, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, la récolte, on va peut-être avoir plus de. Tu fabriques, toi? 12 briques, d'accord. On va voir, on va attendre la récolte. On va voir combien de nourriture on va réussir à amasser. Voir si on peut se permettre de faire une autre briqueterie, mais je pense que sans problème. Ça y est, les nobles sont happy, happy, happy. Ouais, non, mais c'est point grave. Le pharaon a... Ah oui, non, mais bah, attends 2 secondes, c'est bon. T'excite pas, on va en faire une tonde. On va la faire où, la vallée des rois? On met une route. Tiens, voilà, on va faire foutre des tombes ici. Sans briques. Bon, on va faire un petit mastaba. On n'a que 72 briques, on va y aller doucement. Hein. Voilà, petit mastaba.
mettre une jardinière sur le côté. Et des petits arbres. Voilà. Voilà, c'est très beau. Et le début de la vallée des rois. Alors la bouffe, 409, c'est très bien ça. Voyons voir la carte du monde. Alors, il va nous falloir Carthage. Il va nous falloir du papyrus, oh, plein de bouffe, tout. Exploration du désert aussi. On peut peut-être faire ça, plutôt. Carrière de basalte. Ouais. Et Nubie pour l'or, ok. Là, c'est du cèdre. Ouais. Babylone. Athènes, ça sera le calcaire pur. Rome, d'accord. Thrace. Où est-ce qu'on pourra avoir du calcaire? Ici, très bien. Bon, on va explorer le désert occidental. 250 de bouffe, on a 410. Bon, la moitié de notre bouffe va y partir. Je pense qu'on peut se le permettre. Enfin, j'espère. Ça se trouve, je viens de créer une famine. Non, ça va le faire. Easy peasy. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es qui? Femme de fabricant de sandal. Cru très riche, bah nickel. Va peut-être falloir que je pense à faire des... Qu'est-ce que tu... Bien courant. Bah, et vous branlez quoi, les mecs, là? Rien, rien. Rien. Dis donc, faut bosser un peu plus que ça. Hein. Ouais, alors... Tribu du désert, mine de turquoise. D'accord. Oui, bon, on va attendre de ravoir de la bouffe un peu parce que ça a vite baissé. Et moi, je voulais faire un... Comment il s'appelle? Un prêtre. C'est ça. Un prêtre. On va le foutre à côté du palais. On va laisser un espace pour une route. On va mettre une maison de prêtre. Une... Oui, je sais, je suis un obsédé du quadrillage. Voilà. Et il va vite falloir mettre en place des services de santé, je pense. Pas de service funéraire. Oui, non, mais c'est pas ce que tu veux. Bah, il est fini ton mastaba, là. N'importe qui. Ouais, vas-y, pour l'instant, on va laisser n'importe qui. On va commencer à manquer de briques. Alors, peu de nattes, rien. Alors, qu'est-ce que tu branles là? Ok, c'est bon. Mais ils sont en train d'en faire. D'accord. Où est-ce qu'il y a du lin? Où est-ce que tu vas chercher du lin? Ah, mais il est juste à côté! Tu es juste à côté, mais te fous pas de ma gueule, hein, ça devrait être super facile et super rapide. Non mais y a tout à porter, regarde, du lin, des fleurs, du henné. Non, mais m'emmerdez pas. Hein. Rien sans dalle. Qu'est-ce que tu veux, de quoi t'as besoin? Du jonc, ça doit pas être très compliqué à trouver non plus. Hein, il doit y en avoir partout là. Tiens, là y en a là. Qu'à te manier le cul. Je commence déjà à gueuler, faut que je me calme un peu. Regarde, tiens, on va même te mettre une route. Je sais pas si ça a une incidence. Si effectivement ils utilisent des routes et que ça va plus vite. Aucune idée. Faudrait que je me renseigne. Alors, fournir tous les services, oui, c'est ça, c'est bien ça. Toi, tu visites le... T'es qui, toi? T'es pas le pharaon. Pourtant, t'as ton propre palanquin. T'es... Mais... Who the hell are you? Peu importe. Ah, c'est vide, ce machin? Très bien. Enlevez-moi cette horreur sur mes routes. Je veux des routes propres dans mon royaume. Ah, ça m'avait manqué ce petit jeu là.
J'aime vraiment ce qu'ils ont fait, même s'il y a, y a pas mal de, enfin, il y a quelques défauts. Je ne répéterai jamais assez, j'aime beaucoup mon manque de bouffe, putain. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec la gestion de la population et tout. Il va falloir plus de bouffe que ça, les gens, hein. Oh là là, oh là là, il n'y a plus que 5 de nourriture. Vite, vite, vite la récolte là. C'est con qu'on puisse pas importer de la bouffe. Parce que là, ils fournissent plein de trucs, ouais, mais c'est con qu'il n'y a rien qui apporte de la nourriture. Ouais. Vous savez quoi? Ouais, retourne à la cité. Quand bon, pas maintenant, pas tout de suite, hein, mais quand je referai une série sur ce jeu, parce que j'en referai sûrement une parce que j'aime bien, j'essaierai de choper un scénario créé par un mec de la communauté, un truc comme ça, une campagne créée par un joueur. Parce qu'elles sont, elles sont souvent, elles sont souvent très très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu glandes. En même temps, t'as rien à faire, mais. Ok, la nourriture arrive. On va faire service du gouvernement. Les soins aux personnes malades et blessées. On va faire un apothicaire. Plutôt qu'un hôpital pour l'instant. Alors, l'apothicaire de la zone pauvre, où on le met à mi-chemin. On va le foutre à côté, tu sais quoi? Voilà, hop, l'apothicaire. Ça va, c'est pas trop loin, t'as 50 mètres à faire. C'est bon, quoi. Toi, tu vas acheter une poterie. Il branle quoi, le magasin de poterie, là? Hein? Peu de poterie, bah, il y en a ici! Ils ont de la poterie par ici. Pourquoi tu l'achètes pas ici? On va savoir. Ok, on a de nouveau la nourriture, c'est très bien. Je vais faire ce premier épisode normalement, comme je fais, donc d'une traite comme ça. Et vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse des ellipses, parce que c'est vrai que là, je meuble, hein, crue très riche. Mais c'est génial, on a trop de cul avec la crue. On a trop de cul avec la crue, mon gars! Donc voilà, vous me direz si vous préférez que je meuble en disant rien du tout comme je suis en train de le faire actuellement, ou si vous préférez qu'on fasse des ellipses pour que ça aille un peu plus vite. Je sais que dans le dernier épisode, j'avais fait, enfin dans l'épisode 11, pour le phare, j'avais fait des ellipses, mais c'est parce que c'était plus tenable tellement les constructions de monuments sont buggées. D'ailleurs, ça me fait flipper hein, pour la grande bibliothèque, mais enfin bon, on verra bien. À 15 ans. Quelqu'un s'est fait enterrer dans mon mastaba. C'est embêtant. C'est embêtant et on n'a pas assez de briques pour en refaire. Hein. Que fait la briqueterie? Elles sont stockées où en fait exactement? On en a combien? On en a 29, donc 13 et 17. 18. Attends, ça fait 10 et 10, 20, 23, 29, attends, 29, 30, 31, 32. 33, d'accord. Elles sont stockées dans les briqueteries.
À la limite, on peut faire des dépôts de briques. Putain, mais pourquoi on peut rien... Ah, bah tiens. Tu vas faire un dépôt de briques ici. Et un dépôt de briques ici. Voilà. Comme ça, il y en aura un peu partout. Ça sera distribué équitablement. La nourriture, c'est parfait. Papyrus. Il faudra qu'on se mette à faire du papyrus assez rapidement aussi. Aucune demande de soins. Personne n'est malade, c'est très très bien. Ça va, vous êtes tout le monde est satisfait? Au niveau bien courant, bien de luxe, tout ça. Ah. Pas d'hôpital. Ouais, ça va venir. Ça va venir les hôpitaux. 2 minutes. Il y a plus important, il y a ma tombe à construire. Ah bah merde, j'ai mal géré mon coup là. Du coup, on va peut-être la faire dans ce sens-là, voilà, la vallée des rois. Dans les deux sens, en fait. J'hésite à remettre un manoir de noble. Là, ça a droppé là, la bouffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, de toute façon, c'est la saison des récoltes, on s'en fout. Petit mastaba. Comment on... Oups. Comment on change le style du truc? Bon, on va mettre celui-là. Enfin, je regarde les raccourcis clavier. Je sais qu'il y a plusieurs skins, en gros, on va dire. Je me rappelle plus de la touche. Bon, allez, on va mettre un autre truc de noble. On va le foutre là. Voilà. Comme ça, on aura plus de fermiers. Villa, villa, dans le petit domaine, ouais. On commence à faire les améliorations aussi. Les briques ont été distribuées équitablement entre les dépôts. Ok, la bouffe a été distribuée, très bien. Et bah, il va déjà être temps de mettre fin à cet épisode. Peut-être juste attendre que ma tombe soit finie. D'ailleurs, on va dessus. Ah, on peut pas encore. Ah, si. Pharaon seulement, biatch. Voilà, s'il vous plaît, hein. Alors, ferme max 18. Rajoutons des fermiers. 95, 16, 17, 18. Voilà, je suis en train de faire un truc tout joli. Voilà. Maintenant, non, c'est tout petit ça. Tout petit. Ah, bah voilà, les gros trucs. Vous mettre un jardin.
Voilà, je prends soin de vous quand même. Je vous mets des jolis trucs et tout. Vous avez intérêt à être content, hein. Putain, les villas de nobles, elles sont plus belles que mon palais, quoi. Il va vite falloir remédier à ça. Très bien, on a 18 fermiers. Ouh. Ah, c'est bon. Eh ben, on va pouvoir terminer l'épisode. C'est moche, là, j'aurais pas dû le construire si près, parce que, putain, regardez-moi ça, on dirait que le machin, il pend dans le vide. Ouais, vas-y, on va virer tout ça. Rassurez-vous, on va pas virer la tombe, hein, mais voilà. On mettra des décos ailleurs, plus tard. Et voilà, c'est terminé. Ok, bon, bah, fin de cet épisode 12. Démarre lentement, mais bon, toute civilisation doit bien démarrer quelque part. Bah merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de me dire si vous voulez que je fasse des ellipses pour que ça avance un peu plus vite, hein. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ou à liker la vidéo si vous voulez. Vous abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez la rengaine. Moi je vous dis à la prochaine et jusque-là, portez-vous bien. Salut à tous.